Voilà, on est arrivé sur l'île de Phu Quoc, l'île vietnamienne, dans le golfe de Thaïlande ou dans le golfe de Siam. C'est une île qui est pas très loin des côtes vietnamiennes et aussi des côtes cambodgiennes. C'est une île qui est encore relativement préservée par rapport à ses voisines thaïlandaises. Alors quand je dis relativement préservée, ça veut tout simplement dire qu'il n'y a pas un déferlement de touristes comme il peut y en avoir en Thaïlande. À ceci près qu'ils viennent de construire un aéroport, que les avions, il y en a de plus en plus, et que dans quelques années, je pense qu'effectivement, le sort de l'île sera scellé. C'est une île qui a une longue histoire, puisque cette île a servi aux Français, à l'époque de la colonisation, comme lieu d'emprisonnement des indépendantistes vietnamiens. C'est ensuite les Vietnamiens du Sud qui emprisonnaient ici les Viet Cong. Et on a eu l'occasion de visiter la prison des Vietnamiens du Sud. C'est assez horrible, puisqu'effectivement, ils imaginaient là des scènes de torture terribles, atroces. Donc cette île, elle est très en contraste, puisqu'effectivement, d'un côté, il y a cette histoire qui n'est pas très belle. Et puis d'un autre côté, c'est devenu un lieu de villégiature. En tout cas, ça valait le détour, on y est passé. Et comme on le fait d'habitude, on a fait quelques petites vidéos. Et bien, je vous dis à tout de suite pour les images. Allez, ciao la famille, ciao les amis, à très bientôt, ciao ciao.